Deux groupes de criminels spécialisés dans des assassinats, extorsions et cambriolages en ville des Goma ont été présentés au gouverneur militaire du Nord Kivu par le commissaire provincial ad intérim de la police nationale congolaise, commissaire supérieur principal. Ce dernier précise que la police reste déterminée à combattre la criminalité partout en province du Nord Kivu et particulièrement en ville des Goma. Groupe de criminels qui ont été arrêtés durant cette période de l'opération que vous avez lancée, de s'affiche à Mouji. C'est en ce terme que la police nationale congolaise, issue représentée par les commissaires provincial ad intérim de la PNC Nord Kivu, le commissaire supérieur principal Alain Mondaoko, a présenté deux groupes des 14 présumés criminels au gouverneur militaire, le général-major Peter Tchirumwami. Ces malfrats sont accusés de semer la terreur au quartier Bujovu et Kieshero, comme nous explique le commissaire principal Kayemba Businga Jean-Louis, commandant de la PNC de Bujovu. Je vous présente à ce jour 14 criminels qui sèment la désolation dans la ville de Goma. Ils sont répartis en deux groupes, ci-après. Le premier groupe, c'est le groupe arrêté au quartier Bujovu en date du 29 avril 2024. Et le deuxième groupe, c'est le groupe 2, est composé de 8 personnes, dont 2 militaires déserteurs de la 11e brigade DP Satan 2. Ces présumés criminels, parmi lesquels certains impliqués dans des assassinats à Goma, comme ils l'ont eux-mêmes avoué, seront déférés devant les instances judiciaires pour qu'ils répondent de leurs actes. Le commissaire supérieur principal, Alain Mondaoko, précise que la PNC Nord Kivu est déterminée à mettre fin à la criminalité sur l'ensemble de la province, et spécialement en ville de Goma.